Les trois chemins. Pour la séance 4, nous en étions là. Donc Rosalita qui a été sur son parasol barque là pour traverser la mer. H2O qui était de nouveau tout seul sur sa barque. Et jeune Mac-Mac et Robert qui sont sur le bateau du pirate. On en était là. Donc on va lire la fin du livre. Oh, mais dans ce bateau là-bas, ne serait-ce pas mon chevalier? Et je vais lui faire une surprise. Et donc de nouveau, ils vont se rencontrer. Sans doute ne puis-je plus devenir invisible non plus. Oh, voici un bout de terre, c'est la fin des mauvaises surprises. Et là, ils se croisent. Oh, la folle, coucou! Je vous tiens enfin, beau chevalier, vite fichons le camp. Oh, comme vous êtes agile pour regagner la terre ferme. Ah, elle me tient. Vous sautez avec la grâce d'une biche. À cause d'elle, je saute comme un gros balourd. Bravo, vous avez réussi. Elle m'a dit bravo. Oh, chevalier, merci mille fois de m'avoir sauvé. Si je peux faire quelque chose pour vous, quelque chose pour moi. Oui, il passe en dessous. Oui, vous allez par là et moi par ici. Donc là, ils se reséparent. Elle va aller par là et lui, il va descendre. Elle me dit bravo, elle me remercie et elle m'obéit. C'est étrange, il faudrait que quelqu'un me pince pour voir si je suis en train de rêver. Donc voilà pour les deux chemins. On va voir le chemin de John Mac-Mac et de Robert. Monsieur, je crois que ce que vous faites n'est pas bien. Ah oui? Taisez-vous, vous obéissez et descendez. Oups. Oui, vous m'avez fait mal. C'est juste pour tester votre résistance. Vous m'avez l'air d'un solide gaillard, alors portez-moi. Donc là, il tombe dans les crabes. Aïe, oui, mais il y a plein de crabes. Arrêtez de gigoter, voulez-vous? Ce n'est pas moi, monsieur, ce sont mes pieds qui ne veulent pas être pincés. Quelle chochotte vous faites. Vous n'avez qu'à marcher sur les crabes vous-même. Je n'aime pas ce ton impertinent, Robert. Excusez-moi, monsieur. Trop tard, je vous retiens votre salaire pour cette année aussi. Aïe, quel sale ego celui-là. Quoi, que me dites-vous? Ce crabe, il m'a pincé l'oreille. Ah, je préfère. Donc il monte. C'est ici qu'habite le monsieur qui vous doit les 3 pièces d'or? Oui. Et s'il ne veut pas vous les rendre? Ce n'est pas grave, vous devrez simplement le tuer. Voilà pour la page 12. Moi, je devrais tuer cet homme s'il ne vous rembourse pas. Arrêtez de vous plaindre. Pour rien, vous êtes fatigant. Bonjour, monsieur Polopo. Vous me reconnaissez? Bien sûr, monsieur Mac-Mac. Et vous savez pourquoi je suis là? Bien sûr, monsieur Mac-Mac par ici. Vous m'emmenez voir le prototype? Hein? Quel prototype? Il y a un petit changement de programme. Un changement de programme? Oui, vos 3 pièces d'or, je vais vous les rembourser. Voilà, je ne vous dois plus rien. Je vous ai prêté ces 3 pièces d'or pour que vous me fabriquiez un prototype. Alors maintenant, je veux mon prototype. N'insistez pas, vous n'aurez rien. Hé, il s'enfuit, attrapez-le. Je ne comprends pas de quel prototype il s'agit. D'un prototype de machine pour exploiter les richesses de la Lune, de ma Lune. La Lune appartient à tout le monde et le prototype, je l'ai détruit car je savais que vous reviendriez. Donnez-moi ce papier, jamais. Donc là, on apprend qu'en fait, John Mac-Mac ne venait pas chercher ses pièces d'or, mais bien sûr, avoir le prototype pour aller explorer la Lune et prendre toutes les ressources de la Lune. On va donc suivre Rosalita. Quel charmant chevalier. Il faudrait que je lui demande s'il est déjà marié. Coucou. Donc là, elle se re-rencontre. Oh. Bon, cette fois, vous allez par là et moi par ici. Donc lui, il va descendre et elle continue bien. On plantera le blé ensemble, on ramassera les framboises. Notre amour grandira et s'élèvera jusqu'aux cieux. Ah! Et là, elle va tomber. Au secours!
Boink. Et du coup, lui qui est en train de descendre, comme ça je ne l'aurai pas sur le dos. Et ben justement, il lui tombe sur le dos. Je ne vous ai pas fait mal? Non, je n'ai rien senti. C'est grâce à votre armure que vous ne sentez rien. Non, ce n'est pas une armure. J'ai été fabriqué. Fabriqué, oui, je suis un robot. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes gentil. Alors je suis un gentil robot. Mais alors, vous ne pourrez jamais vous marier, non. Et vous n'aurez jamais d'enfants? Si, je peux en fabriquer plein. Donc voilà pour la page 13. Mais on l'a déjà vu, non? Ah, je l'ai. Écoutez, les fusées sont prêtes. Prenez-les, mais ce prototype n'existe plus. Même si je dois enlever le cerveau de votre crâne pour en extirper les informations qui me sont nécessaires, je le ferai. Vous êtes fou. Les gens, les choses ne vous appartiennent pas. Bien sûr que si, c'est une question de prix. Mais c'est mon robot prototype en bas de l'échelle. H2O, vous êtes revenu. Mais c'est le vilain bonhomme qui m'a remis dans ma barque. Non, vous êtes méchant. Reviens ici, tu es à moi. Reviens ici, sale robot. Non, c'est vous le robot. Sûrement pas. C'est vous qui n'avez ni d'humanité, ni de gentillesse pour les autres. Ah, je te tiens, vermine. Prends ma main. H2O, mon petit amour. Vous êtes mon papa? Et pendant ce temps-là, bon sang, ça chauffe ici. Oups, ça chauffe encore plus par là. Et là, la fusée démarre avec John McMack qui est encore dessus. Et rendez-moi mon chapeau, voleur. Donc on va continuer le chemin ici. H2O, mon petit amour, vous êtes mon papa. Adieu, patron. Et donc, comme je ne voulais pas que le vilain McMack s'empare de mon si gentil robot, je t'avais mis sur la rivière. Oui, votre tête me dit quelque chose. Et je me souviens que je sais jouer à la pétanque. Tiens, maintenant je peux déverrouiller ta mémoire. Allez, Ajosu, raconte-moi ce que tu as vu. De l'eau, beaucoup d'eau. Et d'autres. Et quoi d'autre? Rien de spécial. J'ai juste volé, je suis devenu invisible et j'ai combattu des pirates. Pendant ce temps, Robert. Bon, je peux peut-être sortir par ici. Et donc Robert, il s'en va. Ah, oh. Et la petite Rosalita, le robot a retrouvé son papa. Et moi, j'ai perdu mon chevalier à jamais. Quand pourrais-je retrouver quelqu'un de si gentil, de courageux, d'équilibré et d'élégant? Voilà pour la page suivante. Et on arrive donc à la fin avec aventure. Que dirais-tu de me montrer tout ça? Bien sûr, si vous voulez. Donc, il va montrer au professeur ce qu'il a vu. Alors, embarquons. Tout d'abord, tu préfères crier ou Yiou? Pourquoi? Quand tu tombes dans la cascade, je crois que je crie plutôt Yiou! Tu as eu peur? Ben oui, si j'étais tombée à l'eau, j'aurais rouillé. Ah, mais non, je t'ai fabriqué pour que tu ne rouilles jamais. Vrai? Alors je peux plonger. Mais oui, vas-y. Incroyable, je peux voler dans l'eau. Ensuite, la petite Rosalita. Elle va passer ici. Et donc rencontrer Robert. Un amour comme ça ne tombe pas du ciel. Oupla, ouch, oumph. Oups, je suis. Mais vous êtes complètement. Je suis enchantée. Mais vous êtes complètement. Excusez. Vous alliez par là? Je vais installer une corde et vous vous agripperez à moi. Ça va? C'est merveilleux. Vous n'êtes pas obligé de me lâcher. J'habitais là jusqu'à présent. Dans ce château, vous êtes un prince. Non, j'étais un homme à tout faire. C'est mieux. Alors vous pourriez m'apprendre à faire pousser du blé. Voilà. Et pour finir, le John McMack qui revient avec sa fusée. Ah!
Ah, qui va s'écraser, bronc. Ah, et qui va certainement finir dans la gueule du monstre ici. Donc voilà pour l'histoire. En finale, le petit robot, il a retrouvé son papa. Rosalita, elle a trouvé l'amour et elle va planter du blé hein, pour éviter son arbre à pain. Et John Mac-Mac. Ah, bande de fumier, décrochez-moi de là que je vous écorche vif. Voilà. Donc, il n'y a plus que lui, mais avec sa cupidité, il l'a bien payé. Il n'a plus personne, il se retrouve tout seul. Donc pour la séance 4, vous reprenez le tableau, vous essayez de continuer de remplir comme on a fait depuis le début. Je vous laisse un peu de temps et on corrige. Donc ce qu'il veut maintenant, John Mac-Mac, on sait qu'en fait, il voulait son prototype pour aller sur la Lune, pour exploiter les richesses. Et il voulait pas en vrai récupérer les 3 pièces d'or. Ensuite, les rencontres, il y en a des nouvelles. Donc Robert Mac-Mac retrouve H2O qui est le fameux prototype. En voulant l'attraper, il se retrouve propulsé sur la fusée hein, et puis il va s'écraser. Robert se retrouve seul et va rencontrer Rosalita, à qui il va apprendre à faire pousser donc du blé. Pour Rosalita, elle retrouve le robot et se jette dessus. Elle l'aime, mais le robot ne comprend pas et prend peur. Nouveau croisement avec Rosalita et H2O. Et après, Rosalita tombe sur H2O et continue le chemin ensemble en souterrain. Et finalement, elle rencontre Robert, l'amour de sa vie. Elle finira donc avec Robert. Et H2O, donc, il rencontre Rosalita qui se jette dessus. Elle l'aime et le robot ne comprend pas et prend peur. Nouveau croisement entre Rosalita et H2O. Rosalita tombe sur H2O et ils continuent le chemin ensemble en souterrain. Donc là, forcément, c'est la même chose qu'avec Rosalita, hein. Et il retrouve Mac-Mac qui veut l'attraper, mais il est sauvé par son créateur. Ses rencontres avec les autres personnages, donc rencontre avec Monsieur Polopo qui veut lui rendre ses 3 pièces d'or, mais Mac-Mac n'en veut pas. Il veut son prototype pour aller sur la Lune. D'ailleurs, pendant ce temps-là, Robert, il comprend rien. Hein. Ensuite, H2O rencontre son créateur qui vient de le sauver. C'est Polopo, forcément. Et donc, on sait enfin ce qu'ils vont obtenir à la fin, parce que le livre est fini. Robert, il va obtenir l'amour de Rosalita et débarrasser de Mac-Mac. Mac-Mac, trop avare, n'obtient rien du tout. Hein, il est même prêt à se faire croquer par le monstre à la fin. Rosalita obtient l'amour en Robert. Et un moyen de devenir autonome, car il sait certainement faire pousser du blé, lui. Et H2O, il sait qu'il peut sortir de la barque, car il ne peut pas rouiller. Il nage et a retrouvé son créateur, c'est pas hyper important. Donc tout le monde est heureux à la fin de l'histoire, sauf Mac-Mac, mais de toute manière, il était bien trop avare. Il a été bien trop près de ses sous pour pouvoir être heureux, cet homme. Et comme quoi, dans la vie, être simple, c'est bien suffisant. Donc voilà pour ce livre, j'espère qu'il vous a plu. Donc maintenant, pour que vous devrez m'envoyer, donc c'est une petite production écrite de 10 lignes, hein, voilà. Donc à partir de tout le tableau que vous avez en photocopie, avec tout bien écrit, vous le relisez, vous choisissez un des personnages, donc ou Mac-Mac et Robert, ou Rosalita, ou H2O, comme vous voulez. Et donc vous allez prendre, vous avez le droit aussi de regarder le livre, hein, écrire l'histoire d'un des personnages, donc celui que vous voulez, comme suggéré sur la quatrième de couverture, hein, chacun fait son chemin dans le petit résumé, que je relis d'ailleurs. Chacun devait suivre son chemin, le richissime John Mac-Mac était supposé se rendre chez un mauvais payeur, la petite Rosalita devait trouver le maître des nuages et le robot H2O devait au moins sortir de son bateau. Mais voilà que les trois chemins se croisent, que les trois personnages se rencontrent et que leur histoire prenne des tours et des détours fort inattendus. Donc vous me racontez que l'histoire de un des personnages, celui que vous désirez, donc du début à la fin de cette histoire. Voilà, en 10 lignes, rapide, et vous me l'envoyez. Merci.